Salut à toutes et à tous, c'est Atlas et aujourd'hui on se retrouve pour la cinquième vidéo de Hack and Pirate FR. Alors je vous ai jusque là montré comment vous protéger pendant vos recherches ou éviter que les sites récupèrent vos informations. Mais je vous ai jamais vraiment parlé de hack, de piratage. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, donc aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire un virus. Alors vous avez juste besoin de ceci, SSH Generator Batch. Donc le lien pour télécharger sera dans la description. Donc, vous le téléchargez. Une fois ouvert, ça se présente comme ça. Alors, quand on va commencer par là. Alors, vous cochez ouvrir ce lien. Ça va ouvrir un lien quand le virus sera ouvert par votre victime. Alors on va aller sur internet, générer un lien aléatoire, par exemple fraise. Voilà, au pif. Sur Wikipédia, vous copiez et collez l'URL. Voilà. Ensuite, vous cochez message box. Donc, c'est le message qui va s'afficher dès que le virus sera ouvert. Alors, vous tapez le message que vous voulez, bien entendu. Moi, je vais taper un truc basique. Votre ordinateur a détecter une menace. Vous la supprimez. Voilà, donc le truc basique. Ensuite, ça c'est ce qui va se passer quand le virus sera ouvert. Donc moi je coche tout, écran bleu, éteindre ordinateur, désactiver la souris et désactiver le clavier. Là, vous montez jusqu'à 5 et vous faites code source. Donc vous copiez ça. Et donc vous copiez, voilà. Et vous faites enregistrer. Donc voilà, virus enregistré avec succès. Donc vous cliquez sur OK. Voilà. Donc votre virus est là. Vous n'en avez pas nécessairement besoin vu que vous avez le code source copié. Donc vous pouvez le supprimer. Et le corbeille. Voilà. Donc ensuite, vous allez dans votre menu et vous allez dans bloc-notes. Vous copiez le code source, voilà. Faites fichier enregistrer sous. Vous enregistrez par exemple sur votre bureau. Et attention, vous mettez le nom que vous voulez. Par exemple, moi je vais mettre musique en .bat. B-A-T. Voilà. Ça va vous donner une icône comme ça. Voilà. Donc, là, le virus est fait. Donc vous pouvez par exemple le mettre dans un dossier ou directement l'envoyer à votre victime, par exemple par Skype. Vous faites clic droit, envoyer vers Skype et une fenêtre va s'ouvrir et vous sélectionnez à qui vous voulez l'envoyer. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous a aidé ou si vous avez aidé à troller une personne, si vous avez juste aimé, mettez un like, lâchez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner, ça fait plaisir. Allez, tchuss!